On est deux bons potes, Bachato et moi, Sébastien. Bachato, lui, il a un chat qui s'appelle Ewiya. Il habite dans un appartement en ville et il trouvait ça un peu dommage que Ewiya sorte jamais de l'appartement. Donc il a commencé à la prendre un peu dans la forêt. Les deux là, lui aussi. Et une fois, on est allés ensemble et quand le soir est tombé, on ne la trouvait plus. Le lendemain, lui, il est retourné, il l'a retrouvée. Et quelques mois plus tard, il s'est rendu compte qu'en fait, cette nuit-là, elle était tombée enceinte. Et quand les chatons sont nés, il s'est dit, je vais faire pareil. Je vais aussi les amener dans la forêt, dans la nature. Et... Tu veux pas sauter, mais tu dois sauter. Oh, pas mal, pas mal. Tu te débrouilles bien. Bien, les deux peureuses. Allez, on passe au papa. Au début, on avait un peu peur qu'ils se perdent ou bien qu'ils se fassent mal. Mais donc voilà, on les a vus progresser et c'était vraiment chouette. Nous, ça nous a donné confiance et au bout d'un moment, on s'est dit, pourquoi pas aller un peu plus loin, partir quelques jours à la montagne avec eux. On a pris la tente, on a pris les sacs de couchage et puis on est parti. Le premier jour, on a un peu marché, il y avait un peu de montée, mais du coup, on n'a pas voulu trop forcer. C'était un nouvel environnement pour eux, donc on les laissait découvrir un peu. Ah, on se met bien. Putain. Allez, hein. Allez. Chine, mec. Donc on a campé, et on a laissé la tente un petit peu ouverte pour que pendant la nuit, ils puissent rentrer et sortir s'ils voulaient. Au bout d'un moment, il faisait tellement froid qu'il y en a deux qui sont rentrés dans le sac de couchage. Et ça, c'était super chou. Qu'est-ce qui se passe là? On peut espérer. Et ils sont assez vite devenus des chats de nature, des chats sauvages. Ils sautaient par-dessus les rivières, ils nous suivaient, ils marchaient dans la neige. Ils étaient vraiment à l'aise en fait à la montagne avec nous.
Enfin, il y a 2-3 nuages, non? Il y a 2-3 nuages quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Le deuxième jour, au bout d'un moment, on a remarqué qu'ils étaient un peu fatigués. Et donc on s'est dit, bon, on va les laisser se reposer un peu. On a posé nos sacs et tout, et puis eux, ils ont fait la sieste. Bon, on s'est dit, bah en fait, on va faire la sieste aussi, hein, parce que voilà, on s'adapte, on est avec des chats, on fait comme eux. Ouais, une fois là-dedans, c'est quand même beaucoup mieux. On devient un peu comme des chats, hein. Ouais, t'as vu? On s'endort comme ça en milieu de journée. Mais grave. Je suis mort. Après la sieste, les chats, eux, étaient encore trop fatigués pour repartir. Donc on les a mis sur le sac. Et on les a portés. J'ai le pied dans la soupe. Mais du coup, t'as mis le pied dans l'eau? Allez chercher, bah viens, je te la renverse sur le pied, quoi. C'est vraiment ça. Je sais pas comment les enlever là, ils sont trop choux sur le sac. Emma, tu leur fais un petit massage. Ouais. Tu vas vers la colonne vertébrale, tu longes la colonne vertébrale avec tes deux doigts. Ok. Et tu sens les muscles qui sont juste les muscles du dos. Tu les sens ou pas? Ouais. Voilà, tu lui fais un petit massage comme ça. Et tu verras, genre il kiffe et après il se barre. Ah, y'a tout le monde qui veut des massages là, ouais, du ouais. coup. Ouais. Non mais laisse tomber, je leur fais tout le temps des massages. Ok. Vas-y lourd. Allez hop les gars. Vas-y, parfait, let's go. On passe par où, t'as vu? Là. C'était super émouvant de voir ces chats dans la nature, sauter dans tous les sens. Ouais, il y avait presque une communion, quoi, parce qu'on les laissait en liberté, mais eux, ils restaient avec nous. Ça, c'était vraiment trop beau de les voir comme ça, libres et heureux.